Que la paix de Dieu soit avec vous tous, mes chers bien-aimés, frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous comptons pour nous entrer la caillou avec réflexion sur parole, bon Dieu. Non, moi, c'est serviteur, pasteur Abraham Kalis, qui est toujours là pour servir dans le nom de Jésus-Christ. Donc, nous rappelons aujourd'hui, hein? C'est jeudi 23 décembre 2021. Donc, vraiment, on a avancé à la fin de l'année. Donc, on dit bon Dieu merci parce que bon Dieu permet que nous sommes capables de crier et bénézer. Donc, on a continué à encourager pour qu'on soit ferme. Pas découragé, qu'on soit là parce que victoire, c'est pas. Victoire, c'est pas lorsque vous êtes dans l'obéissance à l'Éternel. Victoire, c'est pas lorsque ou pas peur ennemi en cap menacé. Victoire, c'est pas lorsque ou compter sous promesse, mon Dieu, et au camper sous promesse, mon Dieu. Victoire, c'est pas lorsque ou définitivement à marcher en espérance. Victoire, c'est pas lorsque ou d'accord pour traverser épreuve, quel que soit Jean Saillé. Donc, chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, li pas capable de crier victoire. Qui raison? Parce que nous gagnons général l'armée qui relève Jésus de Nazareth avec général ça, eh bien, n'a pas une bonne direction et définitivement nous pas capable crier victoire. Oui, général là dit nous dans le psaume 23. Alors un homme qui t'ai fait expérience avec général ça, qui c'est David. David dit comme ça que il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Général là conduit nous dans le sentier de justice à cause de nous. Donc ça veut dire que, moi je veux comprendre, ou pas capable pas crier victoire, ou pas capable marcher dans le chemin de, on est capable de dire, de défaite, ou pas capable marcher dans le chemin de péril, parce que général là, c'est lui-même qui a dirigé par Jésus-Christ, c'est lui-même qui a dirigé par. C'est lui-même qui berger, c'est lui-même qui a conduit. Et il dit comme ça dans le verset 4, toujours le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, dans ce sens, nous voulons comprendre que Jésus-Christ lui-même qui campait comme berger, qui a conduit, eh bien, il n'y a pas de l'autre côté, il est capable de conduire sinon que dans le droit chemin, dans le vers pâturage, là où les eaux sont paisibles. Donc, c'est là, Seigneur lui-même, lui a conduit. Non? Et à la fin de cette année, à la fin du mois de décembre, il y a une promesse sur la vie, au besoin qu'elle, et avant l'année a fini, ou même qu'à temps de nous, eh bien, que bon Dieu fort well. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu onduis ma tête et ma coupe déborde. Ça, Seigneur, apparaît pour le faire pour vous, c'est que le Seigneur vient pour le dresser une table devant ennemi. Et les gagnants pour le chita sur table ça avant en face ennemi pour le manger avec eux. Ça, c'est une promesse certaine et véritable. Et au besoin, quoi, bon Dieu? Et bon Dieu capable de faire le rêver. Parce que, il y a une chose qui est importante, c'est que Seigneur a, il n'a jamais pris un défi dans qui que ce soit. Et le c'est petit qui est en danger, eh bien, il est campé avec. Moi, je me chante ça qui dit une nacelle en silence vogue sur un arc d'azur. Tout doucement, elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais bon côté, j'en arrive pour le dire comme ça que de sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Donc, par contre, qui détresse où il est dans fin d'année là, il y a un monde qui peut-être a un problème l'argent pour te payer, le arrivé pour sous yo là. Il y a pas qu'à quitter année à finir pour pas faire ça. Il y a un monde qui a une situation difficile que l'a traversé et que année à pas qu'à fini pour situation toujours exister. Mais m'a dit ça. Seigneur a dit, l'a dressé table là pour. Sur la table du Seigneur, il y a toutes sortes de provisions. Des provisions pour délivrance spirituelle,
Il y a délivrance pour délivrance financière. Il y a délivrance pour situation sociale. Donc, il y a délivrance dans toute situation qu'on a traversée. Donc, on met tout simplement quoi sur cette table que le Seigneur a dressée devant. Moi, quelques provisions par là-dedans. On se le bagaille. Fais-le confiance. Et bon Dieu, parie pour le loin avec une huile de joie en face ennemi. Et il dit, bonheur avec grâce à accompagner tout jour dans la vie yo, jusqu'à ce que fin jour yo, va arriver. En seul bagaille, qu'est-ce que Rob Jésus fort. Même si l'auteur l'a dit, quand il s'est dit, en nous qu'est-ce que Rob Jésus fort. N'en fais-nous à ça, nous pas peur rien. Donc que bon Dieu bénisse au matin. Nous souhaitons passer une très bonne journée sous le doux regard de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Songez, c'est l'Éternel qui a guidé par vous. Il est votre berger. Vous n'avez rien à craindre. Que le Seigneur vous bénisse et nous quittons dans deux plamins, Seigneur. Songez, dans deux plamins, Papa mon Dieu. Ça ne faut pas qu'à passer mal, donc que bon Dieu bénisse.